Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Bonjour euh, aux chers signes du taureau. On se retrouve pour votre guidance euh, complète pour euh, l'année 2020. Euh, donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser euh, le tarot de Marseille. Déjà, je suis revenu un petit peu à mon, à mon premier jeu. Euh, et on va faire un, un tirage complet parce que c'est le tirage qu'on appelle de la roue astrologique. J'ai hésité un petit peu avant de, de savoir quel tirage à utiliser. J'avais une autre idée avant, mais ce n'était pas vraiment euh, adapté. Euh, ça aurait été plus adapté, si vous voulez, pour un, une consultation personnalisée et pas vraiment pour une énergie globale, pour un signe. Donc, en l'occurrence, il y aura les 12 maisons qui sont représentées. Donc, chaque maison a certaines correspondances, certaines associations, et je vais le faire au fur et à mesure. Peut-être pas dans l'ordre, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euh, voilà, je vais me laisser porter, me laisser guider pour voir euh, euh, les cartes qui m'attirent en priorité. Euh, donc on va faire ce voyage ensemble. Je vous invite à regarder aussi ces guidances, notamment euh, avec votre signe lunaire et votre signe ascendant, pour recouper les informations et obtenir bien tout simplement des. Des, des renseignements plus précis sur les énergies que vous allez traverser. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous preniez surtout ce qui résonne pour vous, puisqu'on va parler d'énergie, et même au niveau des, des signes, si vous voulez, je sais que certaines personnes se retrouvent plus dans leur signe ascendant, par exemple, que dans leur signe solaire. Donc, ben, si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à, à plutôt vous concentrer sur votre ascendant. Voilà. Dans tous les cas, sentez-vous libre. Et puis, en euh, petit complément, ensuite, on aura euh, d'autres cartes que j'ai tirées, des, des conseils un petit peu, euh, des guides. Voilà, voilà. Ben écoutez, euh, c'est parti. On, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va commencer par, malgré tout, la première carte ici. Euh, cette carte, c'est la maison 1. Elle vous représente vous. Vous personnellement, vous d'une manière générale durant cette année, je dirais que c'est un petit peu la tendance générale de l'année, mais surtout c'est aussi votre évolution personnelle. Alors vous avez la maison Dieu, ou la maison de Dieu, mais ici c'est écrit juste la maison Dieu. Hum, bon, écoutez, <laughs> c'est une année explosive, on peut le dire comme ça, c'est le premier mot qui me vient. Euh, comme on le voit sur cette carte d'ailleurs, c'est beaucoup de, beaucoup d'actions, beaucoup d'événements qui vont arriver peut-être pour vous assez surprenants, euh, insolites, euh, beaucoup d'inattendus quelque part hein, qui va survenir et jaillir comme ça dans votre vie. Euh, avec cette carte, ce que je ressens c'est que il va y avoir pour vous une véritable euh, métamorphose c'est le mot que j'entends une métamorphose parce qu'il va y avoir une déconstruction pour aller vers une reconstruction. Déconstruction eh bien vous voyez c'est ce que représente cette tour ici en fait hein, c'est la carte de la tour c'est le numéro 16 la tour ça va représenter plusieurs choses en fonction bah, de ce que vous allez vivre. Par exemple euh, ça peut être euh, euh, bah, votre travail en fait la tour ça représente, Désolé, hein, c'est que je passe du coq à l'âne comme ça, c'est parce que euh, sinon j'ai trop d'exemples à vous donner. La tour, c'est des choses que vous avez construites, et quelque part qui vous ont construites. Alors peut-être que certains se sont construits surtout autour euh, de l'aspect matériel, ou du travail, ou même d'une relation amoureuse, euh, ou bien on peut aussi parler de votre identité ici, euh, de, votre, de votre façon de voir la vie, de votre... Euh, de vos jugements, de, votre, de vos valeurs, voilà. Tout ce qui faisait que vous étiez vous avant, et en tout cas ce qui faisait que vous pensiez être vous. Hein, parce que, bon, je ne vais pas aller non plus sur ce sujet, mais en essence, euh, vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Voilà. Euh, nous le sommes. Nous sommes bien tous que ce que l'on croit être, hein, qui sont des fausses identifications. Et justement... C'est tout l'enjeu pour vous, c'est que vous, vous allez déconstruire certaines identifications que vous aviez, qui étaient liées, euh, pour moi en fait, là la couronne, ça va représenter euh, l'ego, hein, l'ego, le mental, euh, dans le sens de la personne ou la personnalité. Vous voyez, donc vraiment, il y a des déconstructions importantes qui vont arriver pour vous pour pouvoir vous permettre de construire sur de nouvelles bases, pour aller vers une nouvelle vie. Hein. Donc cette année 2020, c'est une année... Clair de changement radical important, euh, souvent ça se fait d'une manière rapide aussi, avec cette énergie de la maison de Dieu, énergie rapide, voire euh, euh, comment dire, euh, euh, surprenante, hein, hein, surprenante dans la manière dont ça se passe. Ça peut même chambouler, hein, euh, euh, on ne parle pas du tout de quelque chose de progressif ici, c'est vraiment tout l'inverse. Un, moi je dis un, un coup de canon, voilà un coup de canon qui, qui arrive dans votre vie. Donc euh, il va y avoir une véritable transformation, un véritable changement pour vous important, parce que n'oubliez pas que ici nous sommes sur la carte en maison numéro 1, et la maison numéro 1, justement, ça représente votre personnalité, ça vous représente vous. Donc tirez cette carte à cette position, on est bien d'accord que peut-être que des événements extérieurs comme on le voit ici en fait, on voit un éclair qui s'abat sur cette tour, donc quelque chose d'extérieur, c'est possible qu'il y ait un déclencheur extérieur. Dans tous les cas, vous ça va vraiment changer totalement votre euh, qui vous êtes en fait, qui vous êtes ou qui vous pensiez être jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas négatif. Moi, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. Et c'est important de le dire parce que souvent, cette carte dans le tarot, elle peut faire peur un petit peu parce qu'en effet, bon, bah là, il faut s'attendre à ce que toutes nos croyances, euh, des choses qu'on euh, qu pensait être juste ou qu'on pensait être vraies ou qu'on pensait avoir besoin aussi, tout ça, ça va être envoyé en l'air carrément. Hein ça, va être, euh, ça va être projeté comme ça. Et euh, on, on va... avec la maison de Dieu, on voit la réalité différemment. Euh, des fois, on voit l'arrêter aussi telle qu'elle est. Ça peut être euh, euh, des désillusions parfois par rapport à certaines choses euh, ou certaines personnes. Voilà. Donc vraiment, je... désolé pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. On va voir peut-être euh, comment ça se manifeste avec les autres cartes, bien sûr. Mais euh, retenez que il y a une déconstruction de votre intérieur, hein, de votre intérieur, euh, pour aller vers une nouvelle construction. n'est pas juste une destruction ce n'est pas une destruction c'est une déconstruction c'est une déconstruction et sachez-le ça vient du ciel ça vient euh, euh, d'énergie supérieure si vous voulez ce que je veux dire c'est que on va vous mettre des événements des situations des personnes sur votre route d'une manière inattendue Quelque part, vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose, c'est-à-dire vous pouvez pas peut-être l'éviter, hein, c'est ces, ces phase que vous allez traverser, mais c'est parce qu'en fait, on veut vraiment vous faire avancer au niveau de votre âme. Il y a une évolution de votre âme qui se prépare, euh, il va y avoir une sorte de renaissance hein, pour vous, euh, mais une renaissance totalement inconnue aussi, hein, parce qu'en fait, justement, vous vous dites au revoir au passé, et ce qui faisait que vous étiez vous au passé, et là maintenant, euh, vous allez accueillir quelque part une nouvelle identité pour vous. Hein. Donc ce n'est même pas une renaissance, c'est un, un renouveau, un renouveau très clairement. Mais voilà, c'est une phase en effet qui peut être euh, assez bouleversante. Et ici on parle aussi de, de, de prise de conscience, de prise de conscience, voire d'éveil pour certains. J'ai des choses qui me viennent là par exemple, euh, comme à la montée de la Kundalini, hein, renseignez-vous si vous voulez, euh, comme ça se prononce. Euh, je crois que c'est K-U-N-D-A l -I -I, enfin la Kundalini, la montée de la Kundalini, donc une montée en puissance, un éveil, une reconnexion aussi à votre âme, pour moi, un réalignement, voilà toutes les choses que je ressens pour vous. Ok. Alors, euh, bah écoutez, comme on est sur un petit peu cette, ce, ce bouleversement qui arrive pour vous 2020, euh, on va aller regarder... En maison 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. On va regarder en maison 8, euh, quelque part, qu'est-ce qui va amener aussi peut-être ce, cette transformation. Parce que la maison 8, pour moi, c'est la maison qui incarne justement euh, les, les transformations, les changements de vie importants. Donc ici, il va s'agir de votre transformation personnelle. Là aussi. Eh bien, le monde, vous voyez, on trouve une extrêmement euh, belle carte, une carte très, très positive. Une carte très positive. Donc, le monde, ça, ça vous représente. C'est vous qui êtes ici. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez euh, trouver votre place. Hein, trouver votre place qui vous êtes réellement aussi, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus authentique, vous voyez, ce personnage ici, euh, est, est à nu, hein? et, est à nu, et euh, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous, vous allez euh, enlever certaines couches, en fait, hein? il y a certaines couches, que vous aviez, euh, des, des couches, ça peut être euh, euh, plein de choses, euh, des, 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 des blessures, d'anciennes blessures, euh, des croyances aussi vraiment ancrées, euh, tout un tas de choses, hein, vraiment tout un tas de choses qui vont vraiment euh, laisser place à quelque chose de beaucoup plus vrai pour vous, d'authentique, de, de qui a toujours été là, mais en fait là, vous retrouvez votre essence. Vous, vous vous reconnectez aussi pour certains, je sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce tirage va être assez spirituel, euh, au grand tout. Hein. Le 21 ici, c'est l'accomplissement, c'est le monde, c'est le tout. Hein. Il, y a, il y a une vraie reconnexion. Une vraie reconnexion. Et comme je vous disais, un, un réalignement aussi pour moi, euh, avec votre âme, avec votre cœur. Vous pouvez dire comme vous voulez. Tout ça, ce sont des synonymes pour moi. Et puis, ça sera plus simple aussi de l'exprimer comme ça. Euh, une vraie ouverture aussi hein. je sens une ouverture euh, au niveau de vos chakras euh, une ouverture aussi d'un point de vue plus concret je dirais avec euh, avec les autres avec les autres il euh, y a moins de peur en fait il y aura beaucoup moins de peur de votre côté et euh, vous, vous atteignez je ne sais pas pourquoi une sorte de vérité hein. votre vérité intérieure que vous assumez peu importe le regard des autres de toute façon oui, il y aura certaines. Enfin, vous allez vraiment attirer l'attention, hein? parce qu'on parle ici euh, d'un changement profond, d'un changement euh, euh, assez, euh, euh, comment dire, assez incompréhensible peut-être pour certaines personnes autour de vous, parce que euh, ben, vous n'êtes plus le même ou vous n'êtes plus la même, tout simplement. Mais en fait, c'est avant que vous n'étiez pas vraiment vous. Là, justement, vous allez de plus en plus Notamment donc 2020, vers ce que vous êtes en réalité, sans faux semblant, sans artifice, dans, dans votre authenticité. Hmm. Et avec cette carte du monde, euh, je sens que quelque part, c'est un cycle, peut-être, soit vous en étiez conscient ou pas, c'est pas important, mais un cycle dans lequel vous étiez déjà depuis un certain temps. Euh, euh, un cycle de transformation, je parle. Un cycle de transformation dans lequel vous étiez. Et là, cette carte du 21, qui est la dernière des arcanes majeures du tarot, vient, vient indiquer la fin de ce cycle. Un accomplissement aussi, une guérison. Voilà tout ce que je ressens. Donc, euh, en effet, vous allez entamer un nouveau cycle, et carrément un nouveau cycle de vie. On n'est pas juste ici sur euh, euh, voilà, euh, un petit changement. Euh, bon, ben bah voilà, on change de cycle. Vous voyez comme on peut l'entendre souvent. Euh, là, disons que je vous parle surtout d'un changement important dans votre vie, d'un cycle important dans votre vie, et peut-être que ça a duré vraiment un certain temps. Hein? Parce que, vous voyez, pour construire cette, cette tour, eh bien, ça ne s'est pas fait en un jour, c'est que vous en avez mis, il y en a eu du temps, il y en a eu des constructions, il y en a eu des choses, voilà, tout un tas de choses qui se sont accumulées de par le temps, de par de vos expériences aussi, hein? mais il se trouve que vous allez comprendre que tout ça, ce n'est pas vous. C'est ça. C'est ça qui est vous. C'est ça que vous voulez aussi. Et c'est vers ça que vous allez en 2020. c'est vraiment une très très belle transformation. Et comme je vous disais, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je, ça vient confirmer ce que je vous ai dit. C'est que n'ayez pas peur de ces changements. Peut-être quelque part vous vouliez aussi du changement dans votre vie. Bah ben là, on peut vous dire... Euh, mon coco, ça y est, c'est parti, le changement, c'est pour maintenant. Et on ne parle pas d'un petit changement, tu l'as voulu, tu vas l'avoir. Je pense que pour beaucoup, il y avait cette envie consciente, et pour d'autres, eh bien, euh, peut-être que ce n'était pas conscient, mais vous sentiez quand même au fond que ce dans quoi vous étiez, peut-être votre job, peut-être votre relation, tout ça, il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose ou quelque chose qui n'était pas vraiment euh, euh, vrai, vous voyez, dans ce, vrai par rapport... À, Enfin voilà, <laughs> je vais pas traduire tout ça, mais euh, qui n'était pas authentique, qui n'était pas vrai. Ok, alors je regarde si j'ai d'autres choses. Hein. Je vais prendre le temps dans ce tirage. Donc, surtout, je ne l'ai pas dit au début. Voilà, my bad, <laughs> tant pis. Juste prenez des notes si vous voulez. Euh, mettez sur pause parce que ça va être, comme vous, vous le constatez déjà, un tirage assez riche. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps pour chaque signe pour ça. Donc, euh, voilà, je me laisse porter et vous, vous pouvez aussi. Euh, et je vous encourage à le faire. Vraiment prendre des notes sur ce que vous ressentez en écoutant ce tirage. Alors. On parle aussi ici de liberté. Là, avec la tour, on parle peut-être d'un certain emprisonnement. Hein, d'un certain emprisonnement dans lequel vous étiez euh, à l'étroit au final. Vous voyez, comme une sorte de carapace aussi. Des fois, il y a une, zone, une sorte de zone de confort. C'est-à-dire que vous pouviez être dans quelque chose qui vous satisfaisait quelque part, ou plutôt c'était un moindre mal. Vous voyez, par exemple, un job qui financièrement vous épanouit, mais intérieurement vous n'êtes pas totalement épanoui, pareil pour une relation etc etc. Et moi je vois que vous allez vous libérer il y a une libération d'une certaine prison dans laquelle vous pouviez vous sentir consciemment ou inconsciemment. parce que pour vous tout l'enjeu c'est ça, je ne sais pas si tout ça ça se fait consciemment ou pas en fait. pour certains oui, pour certains c'est attendu même tout ça, ces changements euh, c'était espéré, et là, en fait, il y a un retour de l'univers, il y a un retour de vos guides. Enfin, voilà, il euh, y a un appui vraiment. Euh, dans tous les cas, en fait, il y a un appui de forces supérieures, de, de forces supérieures. Force supérieure. Vous voyez, c'est quand même ici. Euh, en fait, pour moi, c'est la l'âme, c'est l'âme, en fait, pour moi, qui vient ici renverser l'ego, ce qu'on appelle l'ego ou la personne. Euh, Renseignez-vous aussi, parce que des fois, l'ego, c'est mal compris. Donc euh, euh, Ouais, euh, vos, vos constructions, les choses qui sont construites, euh, qui vous ont construites, mais qui ne sont pas vous, comme je vous ai dit. Et là, il y a la flamme, la flamme divine ou la flamme de votre âme qui vient euh, ben, vous traverser, hein, qui va totalement vous traverser. Et en même temps, sur son passage, bien sûr, elle va transmuter ou euh, tout simplement euh, euh, faire évaporer, en fait, tout ce qui est. Euh, 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 Futile, obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, pour votre âme, pour votre évolution personnelle. Et là, en fait, on était sur quelque chose peut-être d'emprisonnant, dans, dans, euh, hein? euh, que ce soit une zone de confort ou même une prison que vous savez que vous la vivez comme ça. Ça peut être aussi une prison mentale, hein? des, des choses dans lesquelles euh, on, on est engrené dans le mental, on n'arrive pas à s'en sortir, des croyances limitantes, etc., etc. Et là, on retrouve une, une authenticité une authenticité et surtout une liberté, une liberté. Un sentiment d'accomplissement, de, de plénitude personnelle, vraiment. Et les autres, comme je vous ai dit, euh, certains vont le voir, certains vont le voir, d'autres peut-être euh, plus terre-à-terre, terre, notamment. Là je vois ça, je vois le, le, signe, le symbole ici de la terre en fait, euh, ou de l'énergie de la terre, euh, qui seront donc plus terre à terre, en effet peut-être certaines personnes vont détourner le regard, ne pourront, pas, ne pourront pas en fait comprendre votre changement, comprendre ce qui se passe pour vous, et euh, tout simplement ne pas voir votre lumière, parce que vous allez de plus en plus la laisser s'exprimer votre lumière intérieure. Et c'est beau, honnêtement, c'est très beau, c'est magnifique. Mais il faudra que vous compreniez que tout le monde ne, ne pourra pas peut-être le voir comme ça. Alors justement, on va rebondir là-dessus parce que j'ai bien envie d'aller voir deux maisons maintenant. On va aller voir la maison ici, numéro 3 d'abord, parce que ça va être la maison numéro 3 de la communication. La communication d'un point de vue général avec l'extérieur. Peut-être aussi cette, cette maison reprend, représente les apprentissages au sens de éventuellement des formations euh, des choses comme ça hein, que vous pouvez suivre par exemple ou des, des personnes que vous pouvez suivre ou des voilà peu importe ce que c'est mais surtout la communication eh bien la lune on pouvait un petit peu s'en douter honnêtement on pouvait un petit peu s'en douter parce que justement c'est ce que je vous ai dit ça va être une période au niveau de la communication où ça va être assez euh, mouvementé, là aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'actions de, beaucoup de, dans cette carte au niveau du haut, tout comme là. Hein, on retrouve cette, cette action, cette effervescence. J'aime bien parler d'effervescence. Alors, pardon, je ne un coup. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'en effet, au niveau de la communication, oui, il y aura quand même des échanges, mais c'est où le... Euh, parfois, c'est pas clair, justement, au niveau de la communication avec la lune. On est sur l'obscurité aussi, la nuit. Donc, un manque de clarté. Euh, Peut-être vous, potentiellement, vous aurez du mal à, à vous exprimer, ou les autres, du mal à comprendre, à voir la vérité de, de ce qui est vraiment en train de se passer. Euh, il est possible qu'il y ait euh, certaines tensions avec certaines personnes aussi, parce que justement, il pourrait y avoir, une, une, comme on le voit avec ces deux animaux-là, une sorte de, de rapport de force hein, entre dominant, dominé. Okay euh, C'est-à-dire un peu, moi je vais avoir raison, toi tu as tort, et vous euh, voyez, c'est un peu, on se renvoie la balle, on cherche à savoir... Enfin, euh, euh, voilà, il y a une sorte de conflit qui peut se jouer à ce niveau-là avec certaines personnes, hein, peu importe de qui il s'agit. Euh, mais parce que justement, ça va être une période 2020 quelque part de flou euh, parce que vous vous ressentez ces changements intérieurs, ça se manifeste. Mais déjà, il vous faudra un certain temps pour les intégrer, pour les comprendre et euh, pour être euh, honnêtement, je suis passé par là en fait. Euh, euh, pour vous dire votre par, votre tirage, il me parle bien parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Rien que là, ce que je vois et même ça aussi, c'est ce que j'ai vécu en fait en, en 2018. C'est ce qui m'a amené à être là devant vous aujourd'hui. Euh, notamment, euh, voilà, j'ai, enfin, je vais pas revenir dessus, mais sachez que ce que je vous dis, je l'ai vécu un peu comme ça avec ces énergies-là. C'est, donc je vous comprends, je comprends et je comprends ce qui arrive pour vous. Donc, oui, il y a beaucoup de changements intérieurs. Et euh, l'extérieur n'est pas toujours compréhensif pour ça, parce que justement, il est possible que ce soit euh, euh, des, des choses qui soient floues pour eux, hein, euh, euh, ou alors qu'ils n'y croient pas aussi, parce qu'on peut parler de changements très très importants, même au niveau spirituel. Je vous ai parlé d'éveil, de choses comme ça, euh, ou tout simplement euh, l'ouverture de certains de vos canaux, donc ça, ça, va, ça peut déclencher plein de choses. Plein de choses. Euh, Là, ce que j'entends je aussi, euh, c'est que, euh, avec certaines personnes, on me dit il pourrait y avoir anguille sous roche. Donc, euh, peut-être certaines personnes aussi ne vont pas être totalement honnêtes avec vous dans leurs propos. C'est-à-dire qu'ils vous disent quelque chose, mais en fait, au niveau de l'intention, des intentions derrière euh, et, et de ce qui se passe au niveau de leurs pensées, c'est différent. Vous voyez, il y a une sorte de dis discordance dissonance entre les actions, les mots et, et vraiment ce qu'il y a derrière. Et justement, je viens à la deuxième partie de cette carte qui est importante, c'est que la lune, c'est aussi l'intuition. La connexion à l'intuition, la connexion à ce qu'on ressent émotionnellement. Et ici, l'apprentissage. Hein, je vous ai parlé de cette carte, euh, la maison 3, c'est la communication, mais aussi les apprentissages. Je ne pense pas forcément que vous alliez apprendre en suivant une formation. Par contre, vous allez apprendre à beaucoup plus écouter. Votre intuition et vos ressentis, ce qui fait du sens, parce que vos canaux, vos canaux vont s'ouvrir. Hein? Le troisième œil, peut-être le chakra couronne, enfin plein, plein de choses, plein de choses nouvelles qui étaient jusqu'alors inconnues, euh, qui étaient jusqu'alors peut-être imperceptibles, vont s'ouvrir pour vous. Donc, soyez aussi euh, dans une phase un petit peu d'observation de, de, quand, euh, quand vous parlez avec les gens. Soyez authentique, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais voyez un petit peu, parce que vous savez, euh, comme moi par exemple, c'est juste pour vous donner un, un exemple. Quand je suis en, en consultation avec les personnes, euh, déjà maintenant je fais beaucoup plus en canalisation directe, c'est-à-dire que je n'utilise pas les cartes en fait, justement. J'utilise vraiment très peu maintenant. Euh, et quand je parle... Et quand surtout les autres me parlent, euh, je ressens des choses, je ressens des choses, et d'un mot que je vais capter, qui peut paraître anodin, eh bien moi, je, 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 je reçois l'information qu'en fait, il y a d'autres choses derrière, et petit à petit, comme ça, voilà, je, je comprends en fait euh, quelles sont les intentions. Si vous voulez, euh, si je vous donne cet exemple aussi, c'est pour vous expliquer que vous aurez la capacité aussi d'avoir ça, en fait, avec les gens. D'accord de, de, de ressentir ce qu'il y a de caché, ce qu'ils ne disent pas, ou alors ce qu'ils qu veulent dire en réalité. Vous voyez C'est toutes ces notions-là que je ressens. Donc, votre intuition, elle sera très bonne. Vos ressentis, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Et c'est ça que vous allez apprendre à travailler aussi. Oui, c'est tout un travail intérieur, mais vraiment très beau qui s'opère pour vous. Alors, j'ai envie de regarder, on va avancer quand même un petit peu parce que je parle beaucoup, mais je suis bien sur ma lancée. Euh, en maison numéro 11, parce que cette maison, euh, ça va faire suite un peu avec la maison numéro 3. La maison numéro 11, c'est la maison pour moi des amis, euh, du relationnel, de l'aspect la, de social, euh, sociable. Euh, et aussi, éventuellement, la maison 11 peut représenter vos espoirs et vos rêves pour 2020. D'accord. Ok. Alors, vous voyez, l'impératrice ici nous dit que quand même dans le cercle proche, hein, dans le, enfin, euh, pour moi, vous allez être bien entouré. Hein. Il y a du soutien. Ce que je ressens, c'est surtout du soutien pour vous. Euh, l'impératrice, c'est euh, justement le côté féminin, le côté euh, yin, le côté maternel aussi, maternant. Donc peut-être que votre mère... Notamment, il est possible, même si c'est les amis ici, c'est quand même le relationnel de manière générale. Votre mère va, va jouer un rôle important aussi pour, parce que vous aurez peut-être besoin de vous reconnecter euh, euh, ou de pouvoir parler à certaines personnes de ce qui se passe à l'intérieur. Et peut-être qui mieux que votre maman pour vous comprendre sans jugement et vous accepter tel que vous êtes et tel que vous avez toujours été et tel que vous serez toujours. Euh, alors là, c'est un petit message comme ça. Maintenant, d'une manière générale, je vous ai dit, c'est l'esprit du féminin. Le féminin, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est le partage, c'est euh, euh, le fait de prendre soin d'eux aussi. Hein. Donc, au niveau de vos amis, moi je le ressens comme ça ici. Il y a un soutien. Euh, vous n'êtes pas seul en fait. Voyez vous voyez Vous n'êtes pas seul. Même en, ici, on le voyait. Au niveau de la transformation que vous vivez, oui, c'est vous que ça concerne. Hein. On voit bien ce personnage qui est euh, là dans cette bulle. Dans cette bulle. Hein, dans cette bulle. Euh, mais il est entouré, et donc là on vient vous confirmer que, eh bien euh, avec certaines personnes, peut-être ça sera plus ou moins tendu, hein, à cause surtout à cause de l'incompréhension, de l'incompréhension et des non-dits. Voilà, donc vous de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est juste être le plus authentique possible. 1 hein. Dites ce que vous avez sur le coeur, même si en effet ça ne sera pas toujours facile, notamment au début de ces transformations ou de ces prises de conscience que vous allez avoir, parce que vous-même, vous aurez besoin d'un temps d'intégration. C'est important, c'est nécessaire. Comme je le dis, je suis passé par là. Ce n'est pas facile les premiers mois, hein, je peux vous l'assurer. Euh... Mais voilà, laissez juste parler votre cœur. Justement, je peux vous le dire maintenant avec le recul. Laissez parler votre cœur. Euh... Euh, essayez de toujours prendre un petit temps de, de, de recul, de, de discernement, pour ne pas vous laisser non plus emporter par ces énergies, cette vague d'énergie qui va, qui va impulser votre, votre vie hein, durant 2020. Et vous serez soutenu. Vous avez des personnes qui vont être là vraiment pour euh, bah déjà pour vous écouter hein, dans une écoute bienveillante. L'impératrice, elle est extrêmement bienveillante, et c'est d'ailleurs une carte qui parle justement de communication, l'impératrice. Hmm donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Euh, alors, je vous ai dit, ok, l'aspect sociable, donc ok, les amis, c'est bon. Je regarde si j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça. Comme je vous ai dit, hein, je prends le temps je envie de faire les choses bien. Non, pour les amis, l'essentiel est dit. Surtout, vous vous sentirez en sécurité. Il y aura certaines personnes, c'est cette notion de sécurité que je ressens, euh, des personnes, euh, comme on voit un petit peu hein, cette impératrice-là qui prend sous son aile, hein, qui prend sous son aile, d'ailleurs, vous voyez, elle le prend sous son aile, ce bouclier euh, symboliquement, et puis on voyait qu'elle le prend sous l'aile aussi. Je n'avais jamais vu d'ailleurs dans cette carte, J'avais jamais fait attention à ça. C'est super intéressant de. de de redécouvrir ces tarots à chaque fois parce que voilà, prendre sous son aile. Et ici, ça fait tout son sens. Hein. Il y aura au moins une personne, peut-être une nouvelle personne aussi, parce qu'on est sur le chiffre 3, et le chiffre 3, c'est entre autres le chiffre de la création. Donc, peut-être une femme qui va jouer un, un rôle important euh, pour vous euh, et, qui, et qui va vous aider dans cette transformation. Parce que hum, là, je vois comme le phénix en fait. Peut-être c'est un aigle. Je crois que c'est un aigle à l'origine, mais là, je ressens avec vous l'idée du phénix symbole de la transformation. Phénix qui m'est cher, comme vous vous en doutez. Donc euh, voilà, on va, ne on va pas se gêner, on va utiliser ce symbole. Hein. Euh, ok. Et, et au niveau de vos rêves, tout simplement, euh, actuellement ou en début d'année, qu'est-ce que, qu que vous projetez euh, comme rêve, comme espoir bah, oui, c'est quelque part un changement. On, on sent qu'il y a quelque chose. L'impératrice, elle est souvent enceinte. Hein, c'est une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur et on a envie d'accoucher ensuite de cette chose. Hein. Donc là, c'est symbolique. Euh, on peut parler d'enfant pour vous, mais sinon, on parle de, de comme je disais, peut-être quelque chose qui est intérieurement, un changement que, que vous sentez venir, que vous sentez arriver, que vous avez désiré. Pour certains, il y a eu ce désir. Depuis déjà un certain temps. Et 2020, c'est le moment. Mmh. Le moment, on est encore une fois sur le chiffre 3 de, de la création, donc d'accoucher de quelque chose, d'accoucher d'un projet, de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous tenez. Ok. Alors, on va faire euh, un petit jump tout de suite on va aller un petit peu sur d'autres énergies. Euh. Alors attendez. Non, je vais me laisser porter. Euh, en général, je finis toujours par cette carte, la carte numéro 12, euh, ou plutôt la maison numéro 12, désolé, qui représente en fait les épreuves et les défis pour, auxquels vous allez être euh, confrontés cette année. Pourquoi j'ai envie de faire cette carte Parce que l'impératrice regarde dans ce sens. Donc peut-être ça va nous dire... Pour arriver à ce que vous voulez, à cette transformation, à ce que vous voulez créer, ce que vous, ce que vous voulez créer dans la matière, euh, on va voir, comme l'impératrice regarde ici, justement quelles sont hein, ces, les épreuves et les défis qui vous attendent. L'étoile. L'étoile. Eh C'est extrêmement intéressant. L'étoile, votre, votre principal défi, ça sera, comme on l'a vu, ici et ici bien d'ailleurs regardez là aussi regardez un petit peu ces synchronicités on a presque le même personnage ici c'est peut-être même d'ailleurs le même personnage en tout cas dans votre tirage pour moi ça vous représente et c'est vous aussi dans les deux cas hein. regardez les similitudes au niveau de la poitrine au niveau des cheveux euh, on retrouve cette petite touche d'orange ici ici je pense que vous voyez hein? ok. Donc, le défi, là encore, et dans les, dans les arcanes majeurs, je crois que ce sont les deux seuls où les personnages sont nus. Donc, symboliquement, votre défi, ça sera de pouvoir, vous voyez, euh, là, c'est l'accomplissement vers lequel vous allez, hein, vers lequel vous pouvez vous diriger. Et ici, peut-être, on vous donne la méthode. Hein, donc, c'est, en fait, votre défi, ça sera de vous retrouver avec vous-même. De, de vous épurer aussi donc une mise à nu, c'est ça, hein, de vous épurer d'anciens schémas d'anciennes croyances, euh, de, de choses qui ne sont plus bonnes pour vous voyez et le laisser aller. Hein, là elle est en train de vider, de vider les deux vases, les vases qui vont représenter pour vous bah, certaines choses. Hein, un épurement, euh, l'étoile c'est une carte de, de guérison aussi, de guérison, parfois de purification. Pour aller vers plus de naturel, vers plus de naturel, d'authenticité. Donc, ça va être ça votre défi hein, de prendre le temps, de prendre ce temps pour vous de bah de, de la transformation. Et en même temps, d'être guidé, parce que l'étoile, c'est bien ça c'est la guidance. Donc, le défi, ça sera aussi de voir les signes. Vous voyez Là, on a, Ici, ça va représenter pour moi les signes. Hein, une sorte de petit oiseau ici. Hein. Donc de, de voir les signes, de, de voir les, les synchronicités qu'on met sur votre chemin, on va vous guider en fait. C'est vraiment ce que je ressens et je le ressentais même déjà avant. Vous allez être guidé dans cette transformation. Non seulement vous n'êtes pas seul au niveau de la matière, mais en plus même au niveau subtil, au niveau univers, si vous voulez, au niveau divin, vous êtes aussi guidé. Vous êtes toujours accompagné. Et c'est pour vous remettre sur votre chemin. L'étoile, ça correspond à, au fait d'être à sa place. Vous voyez Comme on retrouve d'ailleurs dans le monde, être à sa place. Là, on vous guide pour être à votre place. Là, vous êtes à votre place. Hein vous êtes à votre place. Donc, ça va être un chemin qui va se faire, un, un processus qui va se faire pendant cette année 2020. Mais. Voilà, les défis, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont clairs en fait. C'est vraiment euh, vous-même aussi. Hein, laissez aller les choses, vous laissez aller peut-être aux, aux énergies qui vont arriver euh, vers vous et que vous n'allez pas provoquer, mais qui vont être envoyées. Hein, des, des événements, des personnes, des situations qui vont être envoyées pour vous sur votre chemin, pour vous réaligner, pour vous ramener en effet euh, à votre authenticité. Et voyez-le comme ça aussi, parce que l'étoile, c'est une carte d'espoir. Donc, même si des choses vous bousculent, vous vous sentez, euh... mais pourquoi ça m'est tombé dessus un petit peu avec la... Par exemple, c'est une des phrases qu'on pourrait se dire avec la tour, la maison de Dieu, mais, mais pourquoi ça tombe sur moi Eh hein? bien, n'oubliez pas qu'il y a un but supérieur à tout ça. Il y a un but supérieur. N'en doutez surtout pas. Ça sera ça votre défi d'avoir confiance. D'avoir confiance, d'avoir la foi, de savoir que peu importe ce que vous faites, vous avez juste à écouter votre cœur et vous êtes sur le bon chemin, même si l'extérieur n'est pas toujours d'accord avec vous. Ok. Alors, on va regarder. En maison 2. Maison 2, ici, on va revenir sur des énergies un petit peu plus soft. On va calmer le jeu parce que c'est vrai que là c'est assez intense. Euh, c'est la, la situation matérielle d'un point de vue général et surtout, il est vrai, le financier notamment. La roue de fortune. La roue de fortune, bah, euh, c'est plutôt une bonne carte. Euh, Déjà, avec, ce, avec cette carte, on peut parler de coups de chance, hein, de coups de chance, d'opportunités au niveau financier, au niveau matériel. Euh, moi, je sens, en fait, là aussi, quelque part, que le, le, le destin ou vos guides vont jouer en votre faveur. Il euh, y aura des circonstances favorables, en fait, pour vous qui vont se présenter. Hmm. On, on dit souvent, la roue tourne aussi. Hein, donc, euh, a priori, moi je le ressens comme positif, notamment encore plus, j'ai envie de dire, si actuellement, notamment en début d'année, vous avez l'impression d'être dans une situation compliquée financièrement, bah là en fait c'est simple, c'est la roue qui tourne. Hein? Mais donc euh, elle tourne, mais elle tourne dans le bon sens, euh, ça va pas être encore pire, vous voyez ce que je veux dire euh, C'est plutôt dans le sens d'une amélioration, c'est quand même la roue de fortune, une carte généralement extrêmement positive. Euh... D'accord, juste tout ce que ça va nous dire aussi, c'est que on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, hein? les choses sont changeantes, donc peut-être que la situation financière durant toute l'année 2020 ne sera pas forcément stable. Hein? Il y aura des, des, des moments euh, où ça va très bien, vous, vous sentez au top, vous pouvez profiter, vous pouvez, il y a une certaine abondance peut-être euh, euh, financière. Vous voyez, on, on le voit ici, là, quand, euh, quand on est au sommet, là, bon bah il y a une couronne, euh, c'est, euh, je sais pas, il y a, il y a une, une notion de pouvoir ici, hein? mais après. N'oubliez pas qu'on peut tout de suite redescendre. Là, on passe sur une espèce de singe ou je ne sais quoi. Enfin, franchement, j'en sais rien, mais euh, on, on est vite ensuite rattrapé, d'accord Et il y a les cycles, d'accord Donc, ça veut dire que euh, même s'il y a des rentrées d'argent, pensez quand même au lendemain. Moi, j'ai cette notion-là, c'est-à-dire soyez prévoyants. Euh... Ne vivez pas forcément au jour le jour et si vous avez, bah, tant mieux et puis vous vous faites la fête, vous dépensez ou enfin voilà vous sans compter et puis après bah, sachez que la situation elle ne va pas forcément rester telle quelle. Il y aura vraiment plusieurs phases, plusieurs cycles au niveau financier pour vous. Des opportunités oui, mais pas que. Hein? Donc soyez conscient de ça. La roue de fortune, de toute façon, hein, tout, moi, ça me fait penser un peu au, à la loterie, vous voyez, donc ça peut tomber dans votre sens comme ça peut ne pas tomber dans votre sens aussi. On peut jouer, on peut prendre des risques, mais on peut gagner tout comme on peut perdre. Donc mesurez les risques, mesurez les risques financiers. Hein. Parce que dans tous les cas, il y aura de l'argent qui va sortir, il y aura de l'argent qui va rentrer, ça c'est sûr. Alors, on va continuer, et eh bien écoutez, on va continuer, on va regarder en maison 4. Hein. La maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille, dans le sens global du terme, le foyer, la famille. Le pendu, ok. Alors, le pendu, quelques instants, je vais boire, je vais me recentrer aussi. Alors. Au niveau de, de, de votre foyer, là, la première chose, qui, en fait, il y a deux énergies principales. Euh, déjà, je vois pas forcément de grands grands changements pour beaucoup, parce que le pendu, c'est quand même euh, euh, de la stagnation, d'accord. Il n'y a pas forcément une grosse évolution au niveau de votre foyer, de votre famille. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez, mais qu'il y aura un certain retard, sinon. Euh, on n'est pas en tout cas pour moi sur des changements en début d'année. S'il doit y en avoir, ça sera plutôt en fin d'année, voire même toute fin d'année 2020. Voilà le message que j'ai à vous transmettre. Euh, malgré tout, moi ce que je ressens dans cette carte, c'est quand même une, un sentiment de stabilité. D'accord Donc stabilité en même temps, ça va avec le fait qu'il n'y a pas forcément de changement. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de changement aussi. Peut-être qu'on se satisfait de la situation dans laquelle on est, qu'on trouve que cette situation est confortable. C'est possible pour certains. Euh, maintenant, l'autre énergie que je ressens, c'est que surtout, vous allez avoir le sentiment de pas mal devoir prendre sur vous. Le pendu, c'est une carte qui parle de, de sacrifice au niveau de ses mots-clés, notamment. Euh, de sacrifice, de don de soi. Donc, peut-être que vous-même... Vous allez avoir l'impression de devoir mettre un petit peu votre propre épanouissement de côté au profit de votre famille. Vous voyez parce que vous êtes attaché, parce que vous avez des responsabilités, des, des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas vous défaire. Hein Et cette notion avec le pendu, quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être euh, je ne sais pas, plein de choses. On est lié en tout cas, mais vous voyez, c'est quand même la position du pendu. Donc c'est pas la position la plus agréable. Et puis. Euh, voilà, c'est parfois se sacrifier pour le bien et la sécurité, euh, euh, même matérielle, notamment de, de, la, de la famille. Voilà, donc euh, c'est aussi une carte qui peut parler de restrictions personnelles que vous ressentez. Hein. Euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, quelque part, à certains moments, vous allez avoir l'impression de, de vous de vous mettre de côté, donc de vous sacrifier entre guillemets au profit de votre, de votre foyer. De votre foyer. Euh, alors on va continuer un petit peu dans ces énergies, on va regarder justement la carte après, qui elle correspond alors à deux choses. Pour moi ici, la maison numéro 5, donc là on était maison numéro 4, maison numéro 5, c'est la vie sentimentale. D'une manière générale, la vie sentimentale, euh, mais aussi ça représente euh, la créativité, la création, la créativité euh, euh, dont vous pouvez faire preuve ou qui va vous animer durant 2020. Le battleur, c'est intéressant. Et en plus, si je la mets à côté, on a quand même le battleur qui regarde le pendu. Donc c'est assez lié. D'ailleurs, je vais les laisser comme ça ça va peut-être m'aider un petit peu au niveau de l'interprétation. Alors, au niveau sentimental, on est quand même sur le 1, sur un nouveau départ, hein? sur un nouveau départ, sur un, un, un changement qui s'annonce. Alors, ici, juste pour vous donner des exemples, hein, parce que ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être euh, une rencontre, une nouvelle rencontre sentimentale qui se fait, ça peut être un nouveau chemin que l'on veut emprunter avec la personne avec laquelle on est, euh, qu'on veut donner par exemple justement naissance à un nouveau projet. Parce que là on a l'impératrice qui est juste en dessous du battleur. Donc ça va me donner des informations complémentaires en regardant le pendu et l'impératrice concernant votre vie sentimentale. Moi je sens que, comme je vous ai dit, il y a envie quand même que les choses bougent au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille et potentiellement au niveau de votre couple niveau de votre couple et de votre vie sentimentale. Il y a l'envie de découvrir de nouvelles choses, de, euh, de casser aussi justement peut-être une certaine routine hein, euh, dans laquelle peut-être vous vous sentez emprisonné parfois. Voilà, il y a un envie de, de renouvellement, de changement, euh, d'aventure, de découverte. C'est tout ce qu'incarne euh, qu le bachelor. Donc c'est en termes d'envie, parce que d'ailleurs c'est la créativité aussi. Mais euh, c'est aussi les énergies que beaucoup d'entre vous vont traverser. Donc ça veut dire que ça va se manifester. En plus, le 1, c'est le magicien. Bon, là, c'est le battleur, mais c'est pour moi aussi le magicien. C'est celui qui amène à la matérialisation. C'est la création. La création, justement. Le pouvoir de la création, en tout cas. Euh, et puis, n'oubliez pas qu'il y a l'impératrice juste en dessous, le chiffre 3. Hein. Le chiffre, justement, de la création. Donc... On sent que, que ce soit en fait sentimentalement ou même à d'autres niveaux, euh, professionnellement ou par rapport à des projets que vous avez, il y a vraiment une envie, l'étincelle elle est là, il y a, retenez ça, il y a une étincelle qui se manifeste pour vous, l'envie elle est là. Maintenant, bah, il faut se lancer quoi, il faut en effet faire le premier pas, il faut euh, amener ces changements et le, le battleur vous indique que vous êtes le créateur de votre vie. Hein? donc si vous voulez que ça change notamment au niveau de votre foyer euh, eh bien vous avez les cartes en main allez-y, amenez ces changements parlez-en et surtout mettez les actions en place nécessaires bah, pour essayer de faire changer les choses parce que vous aurez vraiment cette opportunité de, de faire bouger les choses quel que soit le domaine, sentimental ou autre parce que comme je vous ai dit c'est là aussi la créativité la maison numéro 5 pour certains il est possible qu'il y ait encore des hésitations et qu'il y ait besoin d'un petit temps de, de, de préparation parce que vous ne savez peut-être pas comment faire. Vous ne savez peut-être pas comment amener ces changements. Mais si c'est le cas, de tout, pour moi, ça va évoluer. Ça va bouger de façon au, niveau, au cours de l'année par rapport à ça. Et peut-être qu'il faut tout simplement que vous lâchiez prise aussi. Le pendu, c'est aussi une carte de lâcher prise. Donc euh, on, on se prend pas la tête on ben voilà si la situation est comme ça et qu'on peut rien y changer bah ben voilà on accepte tout simplement on est dans l'acceptation euh, ou dans la résilience et, et voilà mais euh, pour la plupart des cas quand même on, on croit comme je vous ai dit je sais plus où je sais plus du tout mais on croit être bloqué parfois par certaines choses hein. on croit être emprisonné alors qu'en fait on ne l'est pas donc retenez bien ça. Euh, et voilà, ouais, au niveau sentimental, je pense que j'ai tout dit, euh, même au niveau créatif. Donc euh, euh, clairement, on vous invite euh, à agir et à communiquer avec le battleur au niveau sentimental. Ok, ok, ok. Alors on va continuer sur le sentimental, on va regarder la maison numéro 7. La maison numéro 7, c'est justement la maison qui va représenter votre conjoint, votre partenaire euh, durant 2020. Et aussi, d'un point de vue général, elle peut représenter les partenariats ou les occasions de partenariat euh, au niveau, par exemple, professionnel notamment. Il y a la papesse. Ok. Alors, la papesse, si on parle de votre partenaire, on, on, on sent que c'est quelqu'un justement qui est surtout sur la réserve. Retenez ça avec la papesse, c'est être sur la réserve. On voit ce personnage qui est comme entouré d'un voile. Euh, elle a aussi, vous voyez, le visage très blanc, très pâle, très froid. Euh, et puis c'est la papesse rien que dans son nom vous voyez ce que ça veut dire tout ça c'est quoi c'est que euh, on a quelqu'un qui ne se livre pas d'ailleurs elle a un livre ouvert donc je vais y venir après mais elle ne se livre pas euh, le, le, votre partenaire euh, oui a du mal à se livrer euh, donc après chacun ses raisons mais euh, c'est quelqu'un qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à montrer ses sentiments, à être dans l'expression, très expressif. Okay? Euh, parce que c'est quelqu'un qui garde des choses pour lui. Qui garde, parfois, on dit secrètement des choses. Donc peut-être ce sont des secrets qu'il n'a pas envie de révéler. Pour le moment, peut-être qu'on parle de secret aussi dans le sens où, euh, euh, voilà, je sais pas moi, quand vous faites une nouvelle rencontre, euh, mais dans sa vie d'avant, dans son passé, il y a des choses qui sont euh, peut-être qu'il qu a du mal à, à pardonner ou à s'avouer ou qui sont difficiles pour lui d'en parler, donc il le garde pour lui, vous voyez, euh, pour lui ou pour elle. Euh... Donc, il y, y a cette notion que le partenaire garde des choses pour lui. Et a du mal à les exprimer, voire même surtout ne veut pas aussi, pour la plupart, ne veut pas s'exprimer. Hein. Par contre, intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Hein. Justement, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Vous voyez, au niveau de la communication, on retrouve pour moi cette notion. D'ailleurs, la papesse est très liée à son intuition et la lune aussi. Et je vous parlais d'anguilles sous roche, de choses tout à l'heure qui ne sont pas forcément très claires, très limpides. Il y a de l'inconnu dans tout ça, dans la communication. Ça peut concerner votre partenaire. Hein, parce que il y a des choses qui sont au fond, qui sont vraiment présentes hein, au niveau émotionnel, mais ça ne sera pas exprimé ou ça sera fait avec beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et, et vous voyez, elle, elle tient ce, ce livre là et là en fait, là on me dit que ici ça va représenter euh, à cette position, ça va représenter justement le livre de son livre de vie. Hein, son livre de vie, c'est-à-dire ce, son, son vécu. Hmm? Qu'elle, qu elle, que, enfin je dis elle parce que c'est la papesse, mais que cette personne garde secrètement. Hmm? C'est comme si c'était ici son journal intime. Voilà, c'est exactement ça. C'est son journal intime. Qui est, donc c'est tout, tout, ce tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que la papa c'est vraiment l'énergie tournée vers l'intérieur que l'on garde pour soi et que l'on ne veut pas forcément exprimer. Voilà. Ok. Alors. On va euh, changer maintenant de d'orientation, on va aller un petit peu sur le professionnel. Alors, nous avons la maison 6, ici. Enfin, euh, pour moi, c'est la maison du professionnel. Et notamment du travail au quotidien. En fait, c'est l'énergie au quotidien que vous, que vous traversez. Alors après, c'est que c'est souvent lié au travail, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je l'associe au travail. Alors, donc, on a l'ermite. On a l'ermite. Eh bien, alors... D'un point de vue général, ça va aussi représenter le, le, votre quotidien, un petit peu ce que vous avez l'impression de traverser comme énergie, et on peut l'associer donc aussi au travail. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui prend le temps euh, de, de s'introspecter, hein, d'aller chercher des réponses euh, à l'intérieur, un peu comme la papesse d'ailleurs, euh, mais donc là on parle de vous, parce que vous, 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 vous allez gagner en fait. Euh, de par ce biais-là, euh, en maturité, en sagesse intérieure. Donc vous avez vraiment besoin de passer par cette phase où vous prenez du temps pour vous, vous vous coupez de certaines personnes, de certaines énergies, euh, pour faire parfois une sorte de bilan aussi. Hein. On est sur le chiffre 9, sur une fin de cycle, ou euh, presque arrivé à la fin d'un cycle, donc vous avez besoin de faire une étape de bilan, d'ailleurs, justement, pour aller vers ce, vers ce renouveau personnel. C'est une étude intérieure avec l'ermite. Hein? On se retire de monde en tant qu'ermite, on recherche parfois même la solitude, euh, voire l'isolement, mais ce n'est pas négatif, c'est quelque chose que l'on veut, que l'on ressent avoir besoin. Parce que cette, ce travail intérieur que vous allez faire, ça va être comme une thérapie en fait, c'est ça, une thérapie intérieure, une thérapie avec vous-même. Et ça c'est quelque chose que l'on fait seul, en tout cas l'ermite le fait seul. Euh, au niveau du travail, c'est la même chose, ça veut dire que euh, peut-être que ça va être l'heure du bilan pour vous. L'heure du bilan, euh, peut-être que euh, vous êtes fatigué, l'ermite c'est un personnage vieux, vous voyez, et ici ça peut représenter aussi votre fatigue euh, au travail, euh, donc dans votre quotidien, voilà, vous vous sentez avec un peu un manque d'énergie, un peu de faiblesse euh, au niveau physique, au niveau énergétique. Euh, pour certains, on parle aussi ici de vous poser la question, notamment de soit changer de travail, hein, changer de travail euh, pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, ou alors aussi peut-être arrêter tout simplement le travail parce que c'est bientôt l'heure de la retraite pour vous. Hein, L'ermite, c'est un vieux personnage. Donc vous allez vous chercher en fait à, à, à vous positionner par rapport euh, à votre travail, par rapport au quotidien, par rapport à, à, à votre cadre de vie, votre rythme de vie et ce que vous voulez vraiment. Et vous allez prendre le temps nécessaire pour cette recherche. Vous n'êtes pas pressé. Ça va se faire vraiment euh, sur l'année, euh, euh, au fur et à mesure. Voilà. Mais... Euh, vous, vous serez quand même à l'écoute de, de vous-même. Hein? Et c'est d'ailleurs le plus important. On va regarder la maison numéro 10 en complément, elle qui va nous parler de votre carrière, de vos ambitions, de votre évolution de, de carrière aussi. Donc ici, c'est le travail plutôt au quotidien. Ça représente le quotidien d'une manière générale, et ici c'est plutôt pour le long terme la, la carrière et l'évolution aussi qui, qui est en train de s'enclencher pour vous. Ah, le soleil, bah, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Vous voyez, le soleil nous indique ici que petit à petit, en fait, euh, vous allez vers beaucoup plus de sérénité, en fait, au niveau professionnel de sérénité plus de, de bonheur de plénitude intérieure hein, le sentiment d'être euh, d'être comblé en fait d'être comblé euh, vers plus de, de chaleur humaine aussi de chaleur humaine ici là on a l'inverse ici c'est vraiment euh, l'ermite c'est pas quelqu'un du tout de chaleureux c'est quelqu'un qui veut pas se lier aux autres ici on a deux personnages qui se réconcilient en fait donc euh, ça peut représenter que vous allez petit à petit vous diriger vers euh, une, une carrière dans laquelle bah, vous êtes totalement en adéquation, c'est vraiment en alignement avec vous et votre enfant intérieur aussi. C'est ce que je ressens avec votre enfant intérieur. Vous vous retrouvez, hein, d'ailleurs c'est euh, ce qu'indiquait le monde, c'est ça en fait, c'est que vous allez vous retrouver avec vous-même. On y revient. Vous allez voir votre carrière aussi avec beaucoup plus de discernement. voyez, on, avait la, on a la, le soleil qui représente la lumière ici. Et regardez ce que tient l'ermite dans sa main. À peu près au même niveau d'ailleurs. Une lumière. Donc la lumière, vous allez la chercher et vous allez la trouver. Hein? Là, c'est la recherche. Et là, c'est le fait que vous la trouviez. Donc c'est tout simplement où est votre épanouissement. Où et comment est votre épanouissement. C'est vers ça que vous allez être guidé et c'est vers ça que vous allez vous diriger. C'est ça qui anime votre recherche en fait intérieure au niveau professionnel. Et, et on sent aussi que peut-être là, admettons, vous avez la tendance à vous, euh, comment dire, vous isoler de certaines énergies, peut-être dans l'environnement de travail, parce que ça ne vous convient pas, euh, vous, ne, vous ne vous sentez pas en résonance, et là, justement, vous allez vouloir vous diriger, vous allez évoluer vers, euh, comme je vous ai dit, la chaleur humaine, donc vers un partage avec les autres, avec les gens, avec les clients, avec euh, les collègues, avec euh, tout le monde, quoi. Hein, on est sur une, euh, vraiment sur le sur la chaleur ici, sur la joie, sur la plénitude, sur le bonheur. Sur la réalisation de soi aussi avec le soleil. Ok. Hum, très bien. Bah écoutez, on va finir avec cette carte. Donc c'est la maison numéro 9. C'est pas mal en conclusion aussi. Euh, pour tous les autres, notamment, j'ai fini par celle-ci, la numéro 12, mais là, je ne le sentais pas comme ça. Donc, euh, comme je vous ai dit, on se laisse guider. <laughs> Alors, maison numéro 9, c'est la maison euh, des voyages. Donc, très concrètement, éventuellement, les voyages euh, qui sont prévus pour vous, euh, est-ce que ça pourrait vous apporter pour cette année Et euh, d'un point de vue plus symbolique, c'est aussi l'ouverture hein, avec les autres et aussi au niveau de votre spiritualité. La force. Hmm. Ben C'est une très belle carte. Parce que, alors, là, tout de suite, je ne sais pas, au niveau des voyages, ce n'est pas particulièrement ce que je, ce que je ressens. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du tout voyagé hein, pendant cette année. Mais euh, moi, je le ressens là, surtout au niveau euh, personnel, intérieur et spirituel. Euh, vous voyez, on parle, je vous ai dit, hein, ça représente les ouvertures aussi hein, les ouvertures au monde les ouvertures aux autres les ouvertures en vous et qu'est-ce que fait cette personne hein, cette, cette femme à main nue d'ailleurs donc à main nue ça veut dire encore une fois on revient avec cette notion de nudité donc d'authenticité et de par vos propres forces de par on est sur la force de par vos propres forces de pro, vos propres moyens vous ouvrez la gueule de ce lion ce lion c'est euh, euh, bah c'est symbolique, ça représente plein de choses pour vous, mais ça représente surtout des choses qui sont intérieures, en fait. Une force intérieure, donc il y, euh, y a un potentiel, en fait. Il y a un potentiel qui se réveille pour vous. Il y a un potentiel qui... un potentiel... Euh, euh, même euh, j'ai de l'énergie du feu, hein, l'énergie du feu, quelque chose qui anime comme ça qui va vous animer, ça peut être une véritable euh, motivation pour vous, une passion euh, qui, qui que vous allez vous découvrir. Euh, dans tous les cas, vous vous investissez, hein, euh, corps et âme, quelque part, dans, 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 dans cette démarche. Euh, si on parle pas forcément d'un potentiel caché, vous voyez, d'ailleurs, on avait la lune juste au-dessus, donc hein, peut-être que je vous parlais de l'intuition, de certaines choses qui s'ouvrent. Et là, c'est ça, hein, elle est en train d'ouvrir la gueule du lion. Euh, donc j'ai surtout cette notion de, de potentiel qui revient retrouver votre force intérieure aussi votre vraie force votre force ben, votre potentiel créateur votre potentiel divin le potentiel encore une fois je répète que l'on a tous en nous mais euh, voilà là il y a la réalisation et puis il y a la, la compréhension aussi la compréhension mentale de tout ça ce processus que vous allez vivre vous allez aussi le conscientiser et le comprendre, même d'un point de vue du mental et de l'ego, justement. Oui, c'est pas négatif, l'ego. Euh, quand on sait l'utiliser. Et là, justement, c'est une carte de maîtrise. La force, c'est la maîtrise. Vous allez de plus en plus euh, apprendre à maîtriser certaines choses, certaines compétences, euh, mais aussi apprendre à beaucoup plus maîtriser euh, votre, votre, vos énergies en termes d'énergie physique en termes d'énergie mentale, de vos pensées, mais aussi de vos émotions. Voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, pour finir, on va utiliser ces deux cartes ici. Voilà. Donc, j'ai demandé au guide, avec ce jeu, c'est la sagesse des royaumes cachés. Un, un jeu que j'affectionne beaucoup. J'ai demandé... Ah oui, il faut que je vous précise. En fait, c'est que dans ce jeu, euh, et je vous lirai d'ailleurs les cartes, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens, mais après, je vais vous lire en, en complément le message des cartes. Vous pourrez mettre sur pause, ça pourra vous aider. Euh... Dans ce jeu, les cartes, elles arrivent soit en tant qu'alliées ou en tant que rivales. Chaque carte, d'accord Elles ont deux connotations. Donc j'ai tiré une carte pour savoir quel sera votre allié durant cette année 2020. Votre allié, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous aider Qu'est-ce qui sera favorable pour vous au niveau de 2020 Et d'un autre côté, la carte rivale, qu'est-ce qui est plutôt défavorable Qu'est-ce qui peut vous freiner ou vous bloquer durant cette année Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'allié. Waouh <laughs> wow. Waouh Le phénix... Alors, j'ai même pas de mots parce que... <laughs> c'est l'énergie du feu, vous voyez, waouh Mais ça m'anime là parce que ben déjà le phénix, euh, bon, je kiffe. <laughs> c'est mon, enfin voilà, c'est un symbole extrêmement important pour moi et, et je suis passé par là en fait. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard, vous voyez. Enfin, c'est vraiment ouf d'avoir cette carte. Euh, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé. Regardez ici, on peut voir un peu même un symbole du phénix ici aussi. Bon, bref, je n'ai pas détaillé partout, mais le phénix, quoi, je vous en ai parlé, et puis c'est cette transformation. On parle d'une déconstruction pour une reconstruction, ou si vous voulez, bon, je n'ai pas voulu employer ce terme avant, mais je vais le faire maintenant avec cette carte, c'est la destruction pour construire de nouvelles choses. Le phénix, pour ceux qui ne le savent pas, renaît toujours de ses cendres, et il renaît de ses cendres encore plus fort, encore plus fort, parce qu'il est riche de tout ce qu'il a traversé avant de tout ce qu'il a amené à, à, à terme parce qu'en fait il est mort quand même le phénix mais il est éternel vous savez nous sommes tous des phénix nous sommes tous des phénix à tous les sens du terme voyez le comme vous le comprenez avec cette histoire de mort et de renaissance mais moi là je parle à tous les niveaux à tous les niveaux donc c'est énorme on parle de voilà résurrection abandon au changement donc ce qui va vous aider vraiment bah c'est votre capacité à renaître c'est votre capacité à transcender les épreuves, transcender, transmuter ce qui va se présenter sur vous et, et, et faire de vous une personne encore plus forte, hein, parce que vous avez cette force intérieure. Le phénix, c'est aussi le feu, c'est aussi la force, c'est l'énergie pure. C'est euh, là aussi, je ressens quelque chose de très spirituel avec cette carte. Donc c'est magnifique, c'est magnifique de, de trouver cette carte. Vraiment, c'est juste magnifique. J'adore, j'adore votre tirage. Euh, en plus, je suis ascendant Taureau, hein, donc ça me parlera un peu. <laughs> euh, J'espère que je ne vais pas repasser par là, parce que waouh, je suis déjà passé. Euh, euh, c'est bon, c'est bien. <laughs> en tout cas, vous voyez où ça m'a mené. Et je suis, je remercie bah, justement mes guides là solennellement. Je ferme les yeux, vous ne pouvez pas le voir, mais je remercie pour tout ce que vous m'avez apporté. Euh, pour là où j'en suis pour vous qui, qui me suivez enfin voilà merci c'est important aussi d'exprimer cette gratitude parce que encore une fois oui on l'a fait ça vient de nous ça émane de nous ça émanera de vous aussi mais on a été bien aidé quand même on est bien aidé hein et ça il faut en avoir conscience alors le phénix allez c'est parti le phénix en tant qu'allié. Le phénix vous apparaît en allié pour célébrer votre périple et vous garantir les plus grands succès. C'est la vérité. Vous voyez la vérité, l'authenticité donc. Même s'il semble que vous venez de traverser une mort métaphorique ou que vous avez actuellement la sensation d'échec dans votre vie. La mort et la renaissance sont liées quand vous entrez dans le royaume du phénix. Vu sous cette lumière, rien ne meurt vraiment, mais change plutôt, passant directement d'une fin vers un nouveau début. Le phénix se réinvente continuellement et s'élève entier, nouveau et même encore plus puissant d'une mort à l'autre. Cela peut signifier la fin d'une relation, ou d'une dynamique au sein d'une relation, ou la fin d'un emploi, d'un projet, ou même d'une vie. Peut-être qu'aucun échec n'est prévu, mais le moment d'une révision complète de votre situation est venu. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites, ou vous savez peut-être intuitivement qu'il est temps d'aller de l'avant et d'essayer quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, la mort de l'ancien et la célébration d'une nouvelle vie sont requises. Peu importe ce que vous faites maintenant, ce sera un succès, car une renaissance est imminente. Voilà, bah écoutez, très 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 beau message. J'ai rien à ajouter. C'est exactement ce qu'on a vu pour vous et ça, ça, oui, c'est un très bon point de conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors désolé, j'ai pas prévenu, mais c'est vrai que je suis un petit peu enrhumé, donc peut-être vous le sentez au niveau de ma voix. J'ai mal à la gorge aussi. Mais pour le euh, compte ça m'a pour, pour le coup ça m'a presque pas gêné pour vous parce que j'étais tellement dedans que j'étais animé aussi en faisant ce tirage et j'ai pas ressenti euh, le mal de gorge tant que ça. Alors on va regarder qu'est- euh, qu ce qui peut jouer en votre défaveur euh, ou sur quoi il faudra vraiment faire attention ou travailler pour vous durant cette année 2020? Vous avez le prince faucon. Et oui, et oui. Je dis et oui, pourquoi Parce que pour, ouais, déjà là, on a le faucon, ici on avait l'aigle ou le phénix, et ici on retrouve, et c'est ce qu'on a vu en maison 12 en fait, en maison 12 qui sont les obstacles, les épreuves, les défis qui vous attendent. Le prince faucon, pour moi, ici, vous dit que communication avec l'esprit, prêtez attention aux signes, c'est ça votre défi. Ça sera ça qui sera important, c'est que vous vous connectiez à ces énergies supérieures parce qu'elles vont vraiment être très présentes pour vous, d'accord Elles vont agir pour vous, mais il faut que vous puissiez les voir, il faut que vous puissiez les voir, il faut que vous puissiez être à l'écoute de tout ça. Et tout ça, ça passe avant tout par être à l'écoute de vous-même. Plus vous serez à l'écoute de vous-même, de votre être, de votre cœur. Et plus vous capterez des signes, plus vos, 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 vos chakras sont ouverts aussi. Parce que vraiment, en fait, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de communication. Mais pour cela, il faudra vraiment garder l'espoir, il faudra croire en ces énergies aussi. Ne, ne, ne vous dites pas que ce sont des coïncidences. S'il y a des signes, c'est des signes. Hein il y a certaines choses que vous ne pourrez pas réfuter. Donc surtout... Euh, euh, ben, voilà euh, soyez, soyez à l'écoute soyez à l'écoute soyez attentif hein? n'hésitez pas aussi à prendre du temps ça vous aidera dans votre phase de transformation à prendre du temps pour vous connecter volontairement consciemment en émettant de l'intention surtout vous connecter avec vos guides par exemple pour faire des demandes des Demandes d'appui, des demandes, de... peu importe vos demandes, mais vous, si on ne demande pas au guide et à l'univers, et eh bien, on ne reçoit pas en fait. Enfin, c'est assez clair parce que il y a une loi de l'univers notamment qui est euh, qui va dans ce sens. Je crois que c'est la loi de non-ingérence, il me semble, c'est à dire que ils ne peuvent pas, enfin, les guides ou d'autres d'ailleurs, d'autres choses sans préciser quoi, hein, euh, ne peuvent pas intervenir euh, s'il n'y a pas la, un accord de votre part, déjà. Si vous n'êtes pas vraiment d'accord consciemment, consciemment, euh, ils n'interviennent pas. Voilà. Donc c'est important à savoir. Dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a les guides qui peuvent intervenir, et il y a d'autres choses qui peuvent intervenir. Mais si vous ne voulez pas que certaines choses, certaines énergies, entre guillemets, négatives, interviennent, ben bah, tout simplement, consciemment, vous mettez une barrière. Vous dites, non, je ne veux pas de ça. Alors, le prince faucon. Le prince Faucon en rival. Alors, le prince Faucon vous avise de prêter attention et d'écouter les mises en garde qui vous sont envoyées. Avancez-vous malgré les avertissements des autres concernant la direction vers laquelle vous allez Refusez-vous d'écouter votre propre voix intérieure Point Des drapeaux rouges flottent au vent. Et vous êtes mis au défi d'être attentif à leur message. Lorsque le prince Faucon descend vers vous en tant que rival, il s'agit d'une indication que quelque chose ne tourne pas rond. Mais ne vous en faites pas. Il arrive toujours juste à temps pour vous libérer de vos anciennes idées et repartir à neuf. Vous voyez tout ce que je vous disais Eh bien, voilà. C'est juste confirmé, c'est juste magique par tout ça. Euh, L'esprit ne veut que ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous répète quand même, mais ne vous en faites pas, il arrive toujours juste à temps pour vous libérer de vos anciennes idées et repartir à neuf. Donc, ayez confiance en ce changement. Vous voyez, ici, on peut presque y voir des ailes aussi, des ailes ou des plumes. Il arrive pour amener ce changement aussi. Il arrive. Le prince faucon ou vos guides, vous voyez. Ouh, et ben écoutez, c'était un tirage vraiment super. J'ai juste adoré euh, faire ça avec vous, découvrir ça en même temps que vous. Euh, voilà, c'est. Je, je trouve que c'est une très très belle année qui vous attend. Oui, ça va être une année riche, une année qui va secouer émotionnellement euh, à tous les niveaux aussi euh, et sur toutes les couches énergétiques. Vraiment clairement, ce que, ce que j'entends pour vous, c'est sur toutes les couches énergétiques, sur toutes les strates. Hein. Sur, sur toutes les strates, vous voyez, tchik, 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 à tous les niveaux, tous les niveaux de votre existence, quelque part, vont être impactés. Mais c'est bien, c'est positif, c'est vraiment positif. Parce que ça va vous permettre d'accéder à cette renaissance et ce renouveau. Voilà, voilà. Bah écoutez, vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça m'aide aussi. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. C'est très important. Euh, alors, surtout, n'hésitez pas. C'est pas grand chose. Et... Enfin, ça paraît pas grand chose, peut-être, de mettre un petit like ou laisser un commentaire aussi. Mais euh, bah moi, c'est important pour moi et je vous en remercie. Voilà, les amis. Écoutez, euh, on se retrouve très vite hein, en cette année. Je continuerai, bien sûr, euh, à voilà, fournir du contenu. Euh, Peut-être que ça évoluera aussi. J'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de proposer. C'est déjà en cours, mais je ferai des annonces à ce sujet spécifiquement. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt.